là, on a rencontré un nouveau pote, Adam, un Suédois trop sympa. Et on est en train de faire quelque chose qui est très 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 dangereux. Bien plus dangereux que nager avec des requins. On essaie d'attraper les noix de coco. Voilà. Hey. Oula. Là, on est dans la jungle, on partait pour aller faire un peu d'apnée et en fait il y a des singes partout quoi. Là, il y en a là, il y en a là. We had this amazing dive just outside the Panama Canal and we came up and Jerome just told me, let's tell Armel that we saw a shark even though we didn't. Par contre, on a vu Barracuda! Hey, I was a little bit scared. De toutes mes forces de retenir trois bateaux entiers. Si j'y arrive pas, les trois bateaux vont s'écraser contre un mur et peut-être se prendre le gros cargo qui est derrière. Responsabilité ou pas ? Il y a le drone qui a pris l'eau il y a une semaine et on l'a mis dans du riz depuis quelques temps et on va voir ce que ça fait quoi. S'il marche toujours. Je pense qu'il y a une partie qui marche, une partie qui marche pas. Du coup, soit on a une caméra qui vole pas, soit on a un truc qui vole qui a pas de caméra. Caméra là, on dirait ouais un dinosaure qui éclot quoi. Elle a l'espace quoi. Il a l'air un peu malade. Un dernier mot pour lui. Fermeture du cercueil. Ça y est, on est arrivé dans le Pacifique, là on est au Panama, à San José, c'est une île où il y a, je sais pas, il y a 15 personnes, 19 maintenant avec nous 4 en plus. Quoi. C'est super sauvage, il n'y a personne, des plages gigantesques de sable doré, blanc, noir. J'ai chaud tout le temps, j'ai chaud dans l'eau, non dans l'eau ça va à peu près, mais dès que je sors de l'eau je commence déjà à suer.
C'est une putain de frayeur hier en accostant avec l'annexe. L'annexe est carrément pliée en deux par derrière. Moi, je me suis jetée à l'eau. Bref, on a réussi à sauver les trucs. Les appareils sont à moitié tombés dans l'eau. Plus de peur que de mal, mais on aurait pu tout noyer. Enfin, finir assez mal. Finir l'aventure même à ce moment-là. Tu l'as vu ? Je l'ai vu passer, mais je ne voyais pas. Ouais. Si, ouais, il est sous le boudin là-bas. Ah, ça y est. Il est dedans ? C'est bien l'annexe. Donc c'est quoi la destination ? Cyril, c'est quoi ? Avec l'accent ? Vallisolano. Voilà. Colombia. Et on a entendu dire que c'était un peu chaud en ce moment et qu'il y avait des groupes armés. Du coup, on va être prudent là-bas. Et ensuite, on va aller à Newquay. On va aller présenter notre projet à des enfants là-bas, à une petite école qui vient d'être construite. Et voilà, on va être vachement dans la culture locale. On a un vidéoprojecteur qui va nous permettre de diffuser des images un petit peu de notre aventure sur les voiles. Et donc voilà, on aimerait leur faire une petite sensibilisation à la protection du monde marin, de l'environnement, et puis leur présenter notre projet grâce à des vidéos, des images, etc. Là, on arrive dans 2-3 heures. Et on a passé une sale nuit, quoi. Tu dors pas beaucoup, tu te prends de la pluie sur la tête et tu te fais kidnapper par des dealers de drogue. Ça, je déconne, on va voir. Eh, hey, salut toi. Il vient nous voir. Allez, poteau. Voilà. C'est mieux comme ça, là. Ouais, bah j'ai mon pote, hein, c'est bon, je vais pouvoir discuter. À part les philosophies, je pense. Du coup, on vient d'arriver en Colombie, ouais, à Bahia de Solano, où on pensait pouvoir faire les formalités migratoires. Et en gros, on est perdu au milieu de nulle part. C'est verdoyant, c'est beau, mais c'est un petit bled, un petit bled isolé. C'est bon ? Ouais, vas-y. C'est parti. Bon, ben, on vous aimait bien, les gars. C'était cool. Il y a des hommes armés ? Ce sont des militaires, Bourdi. Bourdi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'était juste pour voir... Ok. Un prince. Félicitations, tu viens d'attraper une maladie. Ça fait 5 jours qu'on est bloqué à Bahia Solano.
pour les paperasses administratives, tous les jours, toutes les heures, on a des nouvelles contradictoires. Il est 21h, on est ici depuis genre 9h du matin, dans ce bureau, et appeler des gens, envoyer des mails. À chaque fois qu'on trouve une solution, une nouvelle personne vient nous demander un nouveau document, en disant ah non, mais en fait, il y a ça aussi qui fait que vous ne pouvez pas partir de ce port. Donc voilà, on est coincé. On vient d'avoir le permis. Cache ta joie. Donc voilà, on est rentré au bateau après avoir attendu 12 heures au bureau. Ça faisait 5 jours qu'on attendait. Et à peine couché, on a reçu un message comme quoi le permis à 11h30 du soir. Qui eût cru que ça pourrait être possible? Le permis a été validé. Donc c'est la fête. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean? Voilà, en fin de nuit, on a acheté un tronc d'arbre de 8-9 mètres. Il a dû taper le safran, sa force est sur la barre et bam, on a plus de barre. Quand on est à l'outil, hein. Bah ouais. On n'a pas le choix. Lourd, donc qui assure plus de sécurité à la manœuvre. Alors par contre, sur le côté, ma foi, une facilité déconcertante. Ok, continue un peu. Paradise. Là, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Le paradis du déchet. Là, on va pouvoir remplir tous nos sacs jusqu'à ras-bord, je pense. Alors qu'il n'y a qu'une maison sur la plage, ils sont super propres. Mais tout ça, c'est ramené par la mer, par les courants. Donc, moi, on m'a dit qu'il y avait des sacs pour les thons, pour les bouchons. Mais pour les crocs, je sais pas où il faut. Allez. Le sac crocs. Toujours pas? Ah, non, ici, ici. Oh non. Ce soir, c'est le soir de la projection. Ouais, on a préparé une vidéo, des photos et puis une petite présentation de sensibilisation à la protection de l'environnement. Donc voilà, on a amené le projecteur juste pour ça. On va le mettre sur la voile, la grande voile qu'on a sortie, qu'on a mise là. Et on a déjà plein d'enfants qui sont là, qui attendent impatiemment. Dejamos Francia hace 4 meses para viajar en el velero, ir en el mundo
descubrir tiburones. Y sí, la pesca industrial, a veces van a pescar otra cosa, pero también matan a muchos, muchos tiburones. Hay que entender que todo lo que tiramos en la tierra se va en el mar. Esto es un tiburón tigre, también tenía un anzuelo de cada lado de la boca. Pensamos que no hay que tocar los animales salvajes porque no hay que molestarlos. Pero bueno, esta vez ellos vinieron a tocarnos. Bien, gracias por eso. Chez Lord of the Ocean, à profit chaque moment pour entretenir nos corps d'aventuriers. Team Poussin. Donc ça, je suis complètement perdu par rapport au sac. On est dans quel sac celui-là ?